Sony Computer Entertainment Incorporation presents Universal Interactive Studios. Bash! 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 変態はいるですね! こんにちは! イエヌルです! ブルーステーションの高いビルゲームのサガをようこそ! お名前なんですか? ビアイステーションです! そしてこれは クラッシュバンディクーティー! コルテックスのガッチ! 日本語は Cortex Strikes Back! In English, Cortex contre-attaque! Mes petites bêtes, ça fait plaisir de s'attaquer aux 20 ans du meilleur Crash Bandicoot qui soit le meilleur de la saga ever! Et c'est pas celui de mon cœur! Puisque c'est Crash 3, bien sûr, téléporté Warped, et on a la version japonaise sous nos yeux, ce qui permet à la fois de découvrir le jeu d'une autre façon et de le redécouvrir, puisque c'est les 20 ans avec Crash Bandicoot, plein de nouveautés issues juste de Crash Bandicoot 2, ainsi que quelques petites particularités, comme les écritures, ainsi que les voix, écoutez bien, les petites pattes. 100% de power va démasser nous, 25% de power stone va zembe tenir. Et ça, c'est juste par rapport à la version japonaise, en fait, hein, puisqu'il y a quelques petits ajustements. Écoutez, il est en cortex. Le jeu d'acteurs, hein, les actrices et les acteurs pour le doublage. C'est vrai qu'il y a la France et le Japon. Hein, ça, c'est deux pays du doublage. C'est comme la gastronomie. Et là, nouveauté. Déjà, la tronche de Crash, mais surtout sa sœur. On n'est plus avec sa petite copine qu'on doit sauver, comme d'habitude avec les contes. Non, non, là, c'est Coco Bandicoot et qui la guide avec sa salopette. Et là, ambiance tout à fait Crash Bandicoot, on reconnaît bien Coco qui nous suit du regard, regardez-moi ça les petites pattes. Et pour les contrôles, comme d'habitude, on saute avec Croix, est-ce qu'on peut lui sauter dessus? Non, non, c'est pas bien, on peut sauter sur ces caisses bien sûr, avec les strings il faut sauter 10 fois, à chaque fois on récupère des fruits Wumpa, en haut à gauche, hein, vous voyez les petites pattes, voilà 10, parfait, on appuie sur triangle pour avoir l'inventaire, on a 4 vies par défaut, on a pété une caisse, mes petites pattes, il s'ennuie, et vous voyez qu'il est beaucoup plus joli, encore plus joli que le 1, et on l'avait prévu depuis l'épisode 100, mes petites pattes, Crash Bandicoot 2 serait en version japonaise, et tout de suite, la musique. Alors comment ça fait plaisir, et ça va être vite coupé par Aku Aku, qui va nous expliquer à chaque fois qu'on le prend, qui sert à nous protéger, attention c'est parti. Ya Crash. Peut-être que Aku Aku veut dire quelque chose de bizarre en japonais, c'est pour ça qu'il a changé de nom. Et bien entendu, appuyez sur la touche carré pour faire une petite tornado, comme le cheval de Zoro, bien sûr, il est arrivé sans se presser. Et oh, petite vue, ça fait plaisir! Et là, c'est un petit peu un niveau d'introduction, puisqu'on a la touche cerf qui nous permet de glisser. Et ça, ça fait plaisir. On glisse, donc on va plus vite, on l'enfonce, et il permet de ramper, de renifler le sol, regardez-moi ça! Ah, il est coquin! Et en sautant, donc croix et cercle. Boum, on a son nom, le Crash. Et c'est pour ça que ce jeu est le meilleur, parce que il défie toute concurrence. C'est-à-dire qu'il est aussi difficile que le 1, mais sans le côté injuste. Donc il est très très bien équilibré, et il y a plein de nouveautés, enfin, c'est assez fou. Allez, tout de suite, téléportation, on finit ce petit niveau qui servait de tuto sans le dire. Et on va attaquer la grosse nouveauté de la saga Crash Bandicoot, la Warp Room. Regardez-moi ça, les petites pattes, on a le choix dans le niveau. Et on a même des petites bandes annonces holographiques. Alors, qu'est-ce donc? Et si vous en avez marre, vous pouvez appuyer sur triangle pour zapper toutes les bandes annonces. Et ça, ça va être utile, surtout quand on va prendre un Aku Aku à chaque fois. Et regardez-moi ça, mes petites pattes. On a le choix. On n'est pas juste sur une carte comme dans le 1. Regardez, regardez. Et ce petit écran-là, il sert à quoi? Il sert à sauvegarder. On n'est plus à collecter les petits tickets. Oh, regarde la tronche. C'est 0% bien sûr. On ne fait que commencer, mes petites pattes. Et on valide avec la touche cercle puisque c'est la version japonaise. Et là, 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Et vous voyez donc, on voyait en bas à gauche, en bas à droite, qu'il y a le numéro qui correspond bien sûr au niveau. Et en haut, le titre avec les trucs à récolter. Puisque le but du jeu, c'est quoi, mes petites pattes? Bien sûr, le but du jeu est de récolter tous les bijoux dans le jeu. Il y a les cristaux, un cristal par niveau, c'est ces grands machins roses que l'on récolte dans tous les niveaux. Faut pas les rater, hein. Ça, c'est pour la partie histoire. Et quand on pète toutes les caisses, on récolte des gemmes gris. Donc ça, ça permet de finir le jeu à 100%. Attention, il y a aussi des gemmes de couleur. On va le voir, je pense, dans un niveau. Je pense que c'est le niveau 2, mes petites pattes. Et oh là là, je suis dans la boue, non, sauvez-moi. D'ailleurs, voilà.
Je pense pas qu'il puisse se noyer, hein, comme ça. C'est pas mal. Oui, puisqu'il peut se baisser, forcément, avec la touche cercle. Voilà, il est tout mignon. Et ça permet de faire des sauts plus haut. C'est marrant. Donc là, il pleut. Il y a des trous de partout. Et en fait, les gemmes de couleur permettent de débloquer d'autres accès et d'autres pourcentages. Allez, on va accélérer. On va faire ça comme vous, les petites pattes, puisqu'il y a énormément de petites pattes qui attendaient ce jeu, bien entendu. Ah, Crageux, tu vas le faire. Mais évidemment, on va tous les faire, mes petites pattes. Et pour les 20 ans, 20 minutes. Et ça fait vraiment plaisir. Allez, encore une nuit, oui. Et Emago, je pense à Emago, qui a fait ça en speedrun ce mois-ci d'ailleurs, hein, pour Noël. Ça fait vraiment plaisir. Et là, il y a une dextérité que l'on ne verra pas sur cet épisode. Hein. Alors, vous pouvez penser, mes petites pattes, que c'est un niveau bonus à ce moment-là. Et en fait, non. C'est juste un truc à part. Pour finir toutes les caisses, je pense pas qu'on réussisse à faire toutes les caisses dans un niveau, mes petites pattes, puisqu'on va essayer d'aller le plus loin. Le but est de vaincre le premier boss, au moins d'y arriver. La petite tortue, vous avez vu que j'ai pas mis de coup de tornade, mes petites pattes, parce que il y a des pics tout autour, hein, c'est des cyborgs, hein, visiblement tous les animaux sont des cyborgs dans le Crash 2. Hop, le petit checkpoint, hein, vous le lisez très bien, mes petites pattes. Et là on saute parce que il y a, que ce soit des pics ou des becs, on ne peut pas aller de front comme ça, il faut sauter dessus ou les éviter. Alors ça permet de faire un petit trampoline, les trampolines aussi avec les flèches. Dans les petites nouveautés, il y a ça. Et regardez, Nitro, c'est marqué à la japonaise, Nitoro. Ah, c'est bon ça. Et on va essayer de faire un très très long saut, donc on appuie sur la touche croix, on se met au bord. Oh oui, c'est bon. Et le problème, c'est qu'il aurait fallu péter la caisse. Donc je me rappelle plus exactement, mes petites pattes. Ah là, les petites autruches. Oh, on enchaîne. Oh oui, c'est bon. Oh là 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 là. Et là, on a failli se faire planter par un pec d'autruche qui permet de faire un petit peu de support de plateforme. Puisque, je l'ai pas dit, mais vous l'aviez deviné, mes petites pattes, Crash Bandicoot 2 Cortex contre-attaque, c'est bien évidemment un jeu de plateforme, mais aussi un excellent jeu de plateforme, et peut-être même l'un des meilleurs de la PlayStation et de sa génération. Voilà. Donc il nous explique gentiment que quand on se fait toucher sans lui, on perd une vie, et on doit recommencer soit au début du niveau, soit au plus proche checkpoint, point de contrôle. Si on l'a, on peut se faire toucher une fois. Si on l'a, on peut se faire toucher deux fois pour la deuxième, et pour la troisième, on a l'invincibilité, une phase d'invincibilité qui se met sur notre tête tranquillou. Et là, qu'est-ce qu'il fait, le gonze? Il détruit absolument tout sur son passage. Alors ça peut être très très bien, en général c'est très très bien, mais des fois quand on doit sauter sur des caisses qui nous permettent de faire un passage, eh bien on tombe directement dans le vide. Ça, il faut faire attention, mes petites pattes, à ça. Donc il change de couleur, devient plus orangé, et je pense qu'on va essayer de faire ça sur le prochain, peut-être dans le même niveau. Oh là là là, quelle concentration, c'est parti mon kiki. Donc on peut aussi shooter les ennemis avec la touche cercle, donc en glissant. Bon là on va pas le faire puisqu'il y a des pics un petit peu partout. Et ça a la même puissance, hein, la même attaque qu'une simple tornade. Donc on va pas récolter. Regardez le nombre de vies qu'on se fait avec le nombre de fruits Wumpa. Et vous avez vu que... oh voilà, ça y est. Oh, c'est parti. Alors là, on ne s'arrête plus. Donc là, la technique, ça serait de sauter tout seul. Mais là, je ne peux pas le faire. Et vous voyez que normalement, il y a des... En fait, on voit même pas les ennemis arriver. Il y a des genres de miramitopes. Oh, il y a des caisses au-dessus, vous avez vu, les petites pattes. Et là, on a dégagé l'ennemi qui allait nous servir de trampoline. Écoutez la musique. On arrive sur la fin. Voilà, on arrive sur la fin. La musique, quand ça fait tout, 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 tout. Là, ça veut dire que la phase d'invincibilité est terminée. Alors là, on peut aller vite comme ça. Oh oui, oh, il y avait une vie, il y avait une vie, regardez. Voilà, ça fait plaisir. Par contre, il est très lent. Et le petit cristal, le premier du jeu, ça y est, le voici, le voilà. Et il faut faire gaffe, faut faire gaffe. Donc vous avez vu la phase d'invincibilité, c'est super, mais ça on l'avait déjà, on l'avait déjà effectivement dans le premier. Mais oui, effectivement, c'est que des cyborgs. Mais on n'a pas encore de réelles nouveautés. Et ben la voici, la voilà. On n'a pas besoin d'attendre la fin du niveau et de sortir du niveau. On peut revenir sur ses pas, on voit qu'il nous manque 9 boîtes, 9 caisses. Donc là on peut revenir sur nos pas et gentiment se faire plaisir en essayant de les chercher. On n'est pas obligé, voilà. Il fallait finir le niveau et après, il y avait, vous avez manqué 1, 2, 3, 4, 5, et là, le pauvre. Ce qu'ils ont très bien fait dans le remake, hein, mes petites pattes, puisque Sony a eu la bonne idée de fêter ses licences majeures par, voilà, en ressortant le jeu en HD 20 ans après. Moi, je dis c'est une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez, mes petites pattes, mais ça a l'air d'être une très bonne idée. Un peu comme ce qu'on fait, quoi. Et, et en fait, dans le Insane Trilogy, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Ça permet déjà d'une part de faire de nouvelles petites pattes. Oh, ça va être bien, ça va être bien. Ah, oh, la TNT, la Nitro. Alors, je fais une petite parenthèse. Voilà, Insane Trilogy, t'as les caisses qui te tuent, quoi. Donc là, la TNT, y a pas marqué TNT parce que c'était pas très clair pour les Nippons. Par contre, voilà, et le décompte se fait comme d'habitude. Et la Nitro, on ne touche pas puisque dès qu'on effleure la Nitro, on est cuit. Donc là, on aurait dû rester en mode invincible. C'est pas très grave, je pense qu'il y en aura d'autres après. Et là, ça glisse. Hop là, tchit. Ça c'est bon. Il y a des petits phoques. On va essayer de faire un strike. Non, on peut pas. C'est... Là, 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 attention. Voilà. Un seul.
Vous mettez un coup et normalement, voilà. Ah, ça fait une réaction en chaîne, c'est bon. On a même pété les nitros. Et je sais pas si dans ce crash là, non, l'onde de choc n'est pas assez puissante parce qu'il y a une petite astuce pour casser des trucs. Vous allez voir ça, mes petites pattes. On saute, cercle, voilà. Et l'onde de choc permet de péter les trucs à côté. On n'est pas obligé de se mettre dessus. C'est pas un bug, hein, c'est fait exprès. Hop, là, on va attendre. Parce qu'il fait la tornade également. Hop là, ça lui dégage. Ça, ça y va. c'est parfait, mes petites pattes. On est bien, de toute façon c'est un réel plaisir, il est excellent ce jeu, il a vraiment pas de défaut, peut-être que la version japonaise a un défaut, c'est que Akuaku parle tout le temps, et là le gemme de couleur dont je disais, donc là je connais pas la technique, hein. Les speedrunners, ceux qui font ça avec la course contre le temps, savent comment il faut faire, moi je ne sais pas mes petites pattes, je ne suis qu'un noob, et là on se jette directement parce que vous avez vu qu'il y avait un point d'interrogation cher, à la saga Crash Bandicoot, puisque c'est l'icône des caisses, c'est l'icône des bonus, et là, on ne perd rien, mes petites pattes. C'est-à-dire que c'est un niveau à part entière où on ne perd pas de vie. Je peux me mettre dans le vide, là, comme ça, je ne perdrai aucune vie. On aura l'occasion de le faire plus tard, mes petites pattes, je pense. Et en fait, tout ce qui est cumulé là, quand on finit le niveau sur la plateforme en question, ben voilà, tout est cumulé. C'est magnifique. Ensuite, cette petite boîte-là. Mais on a eu l'occasion tout à l'heure de la voir en version verte, ça pétait toutes les nitros. Et là, quand il y a des petites boîtes en fil de fer, eh bien, ça permet de les matérialiser. Allez, phase d'invincibilité, ça fait toujours plaisir. Alors là, on fonce directement le checkpoint, on n'en a pas besoin. On est comme des gros déglingos. Regardez-moi ça, mes petites pattes. Allez, les cristaux, c'est parti, on fonce. Normalement, on aurait dû débloquer ça. On est bien attentif à la musique, hein. C'est ce qui nous permet de ne pas perdre deux... Akuaku d'un coup, ce serait bête. D'Akuaku un coup. Et voilà, mais c'est la fin du niveau. On n'a pas du tout pété toutes les caisses. On essaie. Oh, voilà, on le fait très salement, hein, mes petites pattes. Hein, je suis d'accord avec vous. D'habitude, en fait, quand je joue un crash, j'essaie de faire le cristal, évidemment. C'est quand même le but. Et j'essaie de péter toutes les caisses d'un coup. Mais bon. Vous avez vu qu'on peut revenir en fin de niveau, on peut revenir sur nos pas, mais le mieux c'est de recommencer le niveau et de le refaire pour péter toutes les caisses, puisque on connaît mieux le niveau, hein, on ne fait pas que découvrir. Qui dit nouveauté dans ce Crash Bandicoot 2? Vous avez vu, hein, mes petites pattes, à part la jaquette et la musique du début, normalement la musique elle fait... Elle est très très chill, elle est très tranquille. Là c'est... Crash, 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 crash. C'est très japonisant, hein, forcément. Eh bien, figurez-vous, mes petites pattes, que la jaquette aussi, il a des gros yeux. Ah, vous avez vu, hein, quand on est invincible, eh ben, l'eau, ça fait quand même du mal. Et on a perdu tous nos Akuaku, c'est dommage. Donc il va falloir le timing. C'est ultra varié. Ça, on connaissait, hein, dans le Crash 1, on avait déjà ça. Hein, cette petite ambiance, ainsi que la jungle. En de la glace un peu moins, donc ça fait plaisir. Et du coup, au niveau... Ah non, non, c'est bon. Donc appuyez sur la touche triangle pour le couper, voilà. En fait, la jaquette, donc il a d'énormes yeux. Mais dans le jeu, bah, Crash a exactement la même tronche que tout à l'heure. Donc c'est parfait. Là, on est contre le temps, on a 50 secondes. Alors je sais pas si c'est pour... Oui, on sait, à quoi coup. Donc il faut éviter les mines. Oh là là, ce bolide. Donc on appuie sur croix pour accélérer, ce qui est très utile, mes petites pattes, pour prendre des tremplins ou pour éviter les tourbillons qu'on a vu tout à l'heure. Là, ce sont des mines, donc on peut pas sauter vraiment comme ça. Le checkpoint. Donc si on le fait d'une traite, je crois qu'on a un petit bonus. Il va falloir faire gaffe, voilà. Bah on va pas prendre le bonus à gauche. Parce que je pense que si on arrive à finir le niveau dans le temps imparti, on a un petit bonus. Alors le petit dos d'hippopotame, le petit cristal, hop là, on a failli passer à côté, c'est pas grave. Allez, on est en mode, oh, on est en mode furie là, mes petites pattes, hein, c'est assez fou. Là on saute, on n'a pas de checkpoint et c'est très risqué, hein, c'est très risqué, j'aime pas trop jouer comme ça. Mais là, c'est l'excitation du meilleur jeu Crash Bandicoot qui soit, mes petites pattes. Alors, hop là, vous avez vu le petit tremplin, oh là là, là c'est beau ce petit salto arrière, on refait là. Hop là, il y a les petites mines, allez on essaye à 0 secondes. Ah c'est dommage, il nous restait quoi mes petites pattes? Et il nous restait pas grand chose mais on n'a pas eu besoin du checkpoint. Bon on a fait vraiment les rustres, hein. Il nous manque 59 caisses, c'est pas très grave. Mais en tout cas on a récupéré le cristal et on va assez vite. Je suis assez surpris, mais franchement la jouabilité elle est là quoi. Il est pas raide et pas dur, il est pas injuste comme je disais tout à l'heure. C'est à dire que il y a certains passages dans Crash Bandicoot, il faut directement sauter dans le vide pour savoir s'il y a une plateforme ou non. Pour le finir à 100%, on en est là. Tandis que là, vraiment pas. Et vous avez vu au début, je sais pas si vous avez eu le temps, mes petites pattes, dans les nouveautés. Ah, ça, on voit le nombril. Est-ce que c'est en arrière? Ah non, non, non. Je pensais que c'était un genre de boulder dash comme on l'a vu. Mais on en aura, je pense. Hein. au niveau des nouveautés, il y a bien sûr l'ours polaire, qui s'appelle Polar. Jusque là, ça va. Et on a aussi le jetpack qu'on a vu en intro.
C'est-à-dire qu'il est sur son jetpack. Mais ça, on le verra pas malheureusement en jeu, mais peut-être puisqu'il arrive assez tard, hein, si je me rappelle bien, il arrive au niveau du troisième monde. Puisque au niveau de la Warp Room, c'est comme ça qu'on va séparer les mondes, c'est 5 niveaux, puis un boss. Et en fait, on a un accès au niveau du centre, je sais pas si vous l'avez vu, au centre de la pièce, puisqu'on ne fait que tourner dans la Warp Room. Et bien, en fait, c'est une petite ascenseur qui nous amène, et chaque étage, c'est chaque monde. Et on a un boss à chaque étage. Ah, il y a un petit bug, et vous avez vu qu'on avait le choix, il y avait une fourche. Et il y avait le choix entre le chemin de gauche et le chemin de droite. Donc si vous voulez faire toutes les caisses à ce moment-là, eh bien il va falloir faire un chemin dans un sens et l'autre chemin dans l'autre. Donc en arrière, vraiment boulder dash. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Et il y avait le petit indice. Alors là, il faut sauter, on ne peut pas faire toujours la tornade, hein, voilà. Mais on s'en sort bien avec l'aquagou. Le petit cristal. Allez, allez, on va se faire plaisir, manger des pommes. Voilà. Et sans fruit Wumpa, comme d'habitude. Ça fait une vie. Donc là, vous avez vu qu'il y avait des petites scies sur la carapace de la tortue, on ne peut pas sauter dessus. Et voilà, voilà, ça c'est le chemin de droite. Et c'est assez compliqué, regardez-moi ça, mes petites pattes. Là, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Donc, mais il aurait fallu faire ça, hein, pour toutes les caisses. Mais là, on va cravacher, hein, pour Crash Bandicoot de le meilleur. Oh, ça, eh, c'est vraiment un pied. Vraiment un pied. Allez, on refait les rataupes. Donc ça, on connaît, hein, mes petites pattes. Et on a eu déjà de l'eau, on a eu de la glace, on va réavoir d'autres choses et on va essayer de... Alors au niveau des boss, c'est vrai que... Ah, petit bonus! Paf! Voilà. Ah oui, ah, ça c'est bien. Ça c'est bien puisque c'est une caisse métallisée, c'est un alliage de bois et de métal. Et on peut pas le casser comme ça. On peut pas sauter dessus comme ça non plus. Donc la seule façon de faire, c'est comme pour tout à l'heure, c'est croix et cercle. Donc on va essayer de faire des têtes. Oh, il fait des têtes! Alors là, la légende disait que Mario n'utilise pas sa tête pour péter les caisses, tandis que Crash, là, c'est vraiment le cas. Il est un peu foufou, hein, mais vous savez, c'est le résultat d'une expérience qui a raté. Alors là, vous avez vu, hein, la caisse de TNT, qui ne s'appelle pas TNT en japonais, hein, c'est juste la bombe. Oh là là, la déflagration. Ça sert aussi de trampoline. Et ce qui est bien, c'est que là, bon, c'est des caisses qui rebondissent, vous les connaissez, mes petites pattes. Et en fait, à partir de Crash 3, ils se sont dit, c'est quand même un peu long de sauter 10 fois sur chaque caisse. Parce qu'il y a certains passages, on est obligé, si on veut les péter, de sauter 10 fois pour une caisse. Alors, s'il y en a 5, ça risque d'être très très long. Donc, pour éviter un petit peu, ils ont amélioré ça dans Crash 3. Mais ça n'en fait pas un jeu meilleur pour Crash, je trouve, par rapport à Crash 2. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu partis en vrille. En fait, la trilogie Crash, c'est un peu comme la trilogie GTA à partir de GTA 3. GTA 3, c'est Crash 1. GTA Vice City, qui est considéré comme le meilleur, c'est Crash 2. Et GTA San Andreas, on peut absolument tout faire. Ils sont partis en cacahuète, mais qui est pas forcément le meilleur, mais qui est excellent également. C'est Crash Bandicoot 3, donc Warped, qui est téléporté. On le verra quand ce sera les 20 ans. Et ben, fin du niveau, comme ça, en parlant, tranquillou. Aquaku qui nous suit. J'espère que vous nous suivez aussi, les petites pattes. Vous suivez le bon Crash en jeans. Hein, on n'oublie pas que Naughty Dog, le Hentai Wainudes, en fait, ils avaient parlé du prototype Sonic's Ass, hein, puisqu'on voyait souvent l'effet fesses. Et là, normalement, on ne verra pas ses effets fesses. Ce sera le remake, comme on l'a vu, hein, sur l'épisode 100, mes petites pattes. Attention, oui, voilà, il n'y a pas de porte en face, on voit le nombril. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le remake d'Indiana Jones, mais quand il neige, c'est le boulder dash avec le snowball. Et là, on peut parler de la boule magique. Alors, on voit rien devant, mais c'est bien composé pour la petite animation qui fait plaisir. Il est léché, hein. Donc ça, c'est vraiment le modèle de Crash, le modèle ultime, quoi. C'est la définitive édition. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté des polygones. C'est vrai qu'ils avaient un petit problème de développement, c'est qu'ils n'arrivaient pas à mettre plus de polygones qu'ils voulaient. Et donc là, ils ont réussi. Ils ont réussi, donc ils ont bien négocié ça. Et du coup, ce sera exactement le même modèle pour que ce soit les ennemis, Crash pour le 3 et normalement ainsi de suite, bien qu'il y ait eu des modifications après coup. Mais c'est celui-là. Quand on parle de Crash Bandicoot, c'est ce modèle-là. Et ben, on s'en sort bien, les checkpoints à chaque passage. Et ce qui est bien, c'est que les mines là ne nous éclatent pas la tronche, c'est-à-dire que quand on va dessus, ça ne fait entre guillemets que nous ralentir. Par contre, les portails là électriques, ça douille, hein, ça fait beaucoup de mal. Et ils ont pensé à tout. Oh, regarde, le bois qui se barre et tout. Ah, c'est bon. Donc, c'est-à-dire que... Oh, les nitros, ça part en vrai. Et ce qui est bien, c'est que les caisses sont pétées par la boule. Hein, il n'y a pas besoin de se prendre au sérieux pour les caisses de nitro, hein, j'entends. Parce que quand c'est des caisses derrière... Oh, le cristal. Voilà, il a une pause pour récupérer le cristal et faire un petit bonus. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, ils ont pensé à faire une pause sur ce genre de niveau. Et en fait, quand il y a des caisses derrière les portails, enfin les portails, les arcs électriques, eh bien ça fait bobo puisqu'il faut aller les récupérer. Donc je sais pas si on va réussir à le faire, mes petites pattes. La petite TNT, oh c'est risqué. Hein. C'est très risqué, on va faire ça. Ah attends, je l'ai raté, attends.
Là, normalement, il faudrait faire ça. Voilà, mais sauf que ça explose direct. L'intérêt du bonus, hein, mes petites pattes, vous avez bien vu qu'on ne perd pas de vie. On était à 18 vies et là, on est toujours à 18 vies. Ça, c'est vraiment un bonheur. C'est-à-dire que s'il y a des bonus qui sont un petit peu tendax comme ça, eh bien, ça permet de pouvoir le faire gentiment. Donc là, le petit piège mortel. Hein. Comme d'habitude, la caisse, tu te fais écraser. Donc, on va faire le petit trampoline. Tant pis, hein. C'est pas très grave. Donc là, normalement, ça va revenir à 5 caisses en bas. Voilà. Et là, regardez. Regardez le temps que ça prend si on veut casser toutes les caisses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on passe. 10. Tac. Et on reprend. Ichi, ni, san, ji, go, roku, shishi, hachi, ju, ki. Enfin, bon. Putain, en plus, j'ai inversé les deux derniers chiffres. Non, mais c'est très très long, mes petites pattes. C'est pour ça que ils ont pensé quand même. Ah, c'est possible ou pas de le faire? Attends. Attends. Et là, on sait plus. Voilà, ça pète. Là. Non, je suis perdu. C'est pas grave. Voilà, on peut faire. C'est un des niveaux qui peut faire le gemme de complétion, comme on dit, pour toutes les caisses. Voilà, vous avez vu les petites pattes, le petit tuto qui passe tout seul alors que ça n'est pas vraiment un. Il y a des accélérateurs, donc tout ce qui brille n'est pas dehors, certes, mais tout ce qui brille n'est pas explosif. Voilà, comme on a pu le voir tout à l'heure, là, on s'est fait exploser un petit peu l'arrêt des fesses. Eh bien, c'est pas très grave puisque on a les accélérateurs juste après. On peut aussi glisser, les pro gamers font ça, glisser pour aller plus vite. Sauf que moi, je ne connais pas. Là, on peut peut-être le faire, voilà. Je ne connais pas les niveaux. Ah là, il y avait de la vie à se faire. Vous voyez, c'est très difficile de récupérer les caisses puisque là, elles ne sont pas pétées. Vous voyez, voilà. On était juste à la fin. Bon, c'est pas très grave. On va réussir. Hein. Voilà le checkpoint. Là, c'est first try. C'est bon. C'est parti. Hein, mes petites pattes. Le petit accélérateur. On les connaît par cœur. Et ce qui est bien aussi, c'est que les Fruit Wompa, les chemins. On en avait parlé hein, sur le Boulder Dash, mais c'est vrai que les chemins sont indiqués par les Fruit Wompa et c'est vrai que ça aide beaucoup. Mais là, ça demande réflexe et par cœur aussi, hein, pour le coup. Il y a un moyen de péter les portails, alors il ne faut pas aller en plein milieu sinon on se fait électrocuter. Mais je crois qu'il faut aller sur les côtés. Alors il faut faire attention, parce que mes petites pattes, au niveau des animations de mort, c'est directement inclus dans le jeu. Ah, 19 sur 44, ah ouais, bravo, c'est pas 100% ça. Hein. En fait, il faut faire attention, puisqu'il n'y a plus l'écran noir derrière et la petite animation qui fait « Waouh !» à chaque fois qu'il se prend une tôle. Non, non, là, il faut voir qu'il y a énormément d'animations et c'est inclus dans le jeu. Et ça, c'est quand même magique. Allez, voilà, on a fait les 5 niveaux, mes petites pattes. Voilà, bon, pas à 100% bien sûr. Voilà, allez, préparez les sacs à vomi. Voilà. Et en fait, mais qu'est-ce qu'il reste à faire à part sauvegarder? Eh bien, il faut aller au centre et là, petite plateforme. Et là, l'autostoppeur en route vers la galaxie. Et là, wouah. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour accéder au deuxième étage, on est obligé de battre le boss. Et qui c'est le plus fou des personnages de Crash Bandicoot, c'est Reaperoo avec une petite... Oh là, en mode intello, hein, on se met ses lunettes, sa petite canne, son petit haut de forme, sa petite moustache, alors qu'il est complètement fou puisque sa canne, regardez, c'est un bâton de pogo. Alors, même ambiance que dans le 1, on va essayer de le faire. Voilà, le but de l'épisode, c'était d'atteindre Reaperoo. Attention, ah wow. Et voilà, et on a plus d'un coup à coup. Reaperoo, hein, c'est marqué, alors, Reaperoo. Il faut essayer, donc il fait ça en chaîne. Et il faut essayer de se mettre un peu proche de lui. Voilà. Ah là, il se prend une bûche. C'est pas fini, puisqu'il est très résistant. Et là, c'est directement la nitro. Donc il faut trouver. Là, si vous le touchez, c'est mort. Hein. Autant la TNT, on avait 6 fausses secondes pour. Hop. Attention, ça a pété. Voilà. Et là, il se fait étourdir. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas des canaris qu'il y a autour de lui. C'est pas des petits oiseaux. C'est des petites caisses. Hein, normal. Il s'est pris une caisse, c'est le cas de le dire. Alors attention, attention, on va rester plutôt par là, voilà, on va glisser. Voilà, c'est une réaction en chaîne, hein. Là c'est plus visible. La nitro, si vous le touchez, c'est mort. Autant vous pouvez marcher sur les TNT quand ça explose pas, autant les nitros. On va peut-être se mettre là, c'est pas mal. Et après, la chaîne est inversée sur les nitros, c'est-à-dire que ça commence par lui. Et après, voilà. Et là, voilà. Allez, on n'est plus qu'à un objectif du niveau, objectif de l'épisode. Attention, un petit peu. Voilà, on peut marcher dessus, gentiment. Là, il faut repérer, je pense que c'est par là, peut-être. Ouais, ouais, on est pas mal là. Voilà, on échappe. Et là, c'est le plus dur. Attention, les mains sont moites, les pieds sont poites. Attention, jolie dalle d'ailleurs. Ouh là là là, c'est juste à côté. Faut que je me barre. Faut que je me mette par là. Et après, je lui saute dessus. Attention, je saute en même temps que lui. Comme ça, j'évite l'onde de choc. Et attention, petite tornade. Oui, c'est la danse de la victoire. Attention, à gauche, à droite, en bas, toujours en bas. Attention, subscène. Oh, coucou, coucou, coucou. Et il se tourne. Et c'est parti, mon kiki, avec cette magnifique cascade. Et voilà. Et ben on est parti. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors des fois, au niveau des messages holographiques, voilà, on a changé d'endroit. Enfin, c'est magique. C'est magique. Et voilà, 5 autres niveaux. Peut-être bande-annonce, évidemment. Cortex, Coco. À vos paris, peut-être Brio.
C'est Gore-Tex. Et il se fend la poire. Oui, c'est très très clair. Très bien. Et là, nouveau personnage, comme je disais, Polar. Et on va se finir sur un petit secret, mes petites pattes, qui est peut-être pas un secret pour vous, mais si on saute plusieurs fois sur la tronche à Polar, on gagne autant de vie qu'on a fait de sauts sur sa tronche. Regardez-moi ça, mes petites pattes. Et voilà. Et c'est gagné. Et c'est gagné, je pense qu'on peut se laisser là-dessus, sur ce jackpot de folie, et sur cette maltraitance animale. Bon, c'est un animal sur un autre animal, tu vas me dire. Voilà, et ben j'espère que ça vous aura plu en tout cas, voilà. Voilà, c'est... Est-ce qu'il fallait encore le présenter? On peut pas faire mieux, voilà. Allez, je vous dis matinée pour certains, je vous dis à bonjour pour d'autres. Et pour tout le monde, je vous dis tchao.